Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milimilo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour de l'artiste solo coréen. Oui, membre du boss group coréen Pentagon. Il nous revient avec un premier mini-album qui se nomme Who It's Me. Petit point complexe, et pour l'illustrer aujourd'hui nous sort son titre phare et un MV à l'appui qui se nomme Bop. Il faut savoir qu'il a composé et écrit cette chanson, on a l'habitude avec lui et ses compositions, non? Mais avant de blatter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Milimilo, au roulement de tambour, j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui mes chers Milimilo et que vous avez passé une bonne journée, vous avez une bonne météo du jour. Moi écoutez, je vais pas vous mentir, hier après mes vidéos, ma météo du jour était vraiment pourrie. Mon fils a été infernal toute la journée, j'ai craqué, j'ai pleuré. Ça m'a fait du bien d'évacuer parce que c'est vrai que j'accumule la fatigue, les jours à la maison, mon congé maintenant d'allaitement. Franchement ça va faire plus d'un an que je suis en écartement, c'est hyper long, donc j'ai vraiment hâte de reprendre aussi le travail le mois prochain et d'avoir de nouveau une vie entre guillemets normale et pas tout le temps rester chez moi, m'occuper de mon fils, même si j'adore ça, mais j'ai besoin aussi d'un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que ma météo du jour va mieux ce matin, hein, on reste positif et je me dis, je suis mère certes, mais c'est normal de temps en temps un craquer, je sais que je vais encore craquer sûrement dans les années à venir, c'est tout à fait logique, donc je m'en veux, je me dis je suis une mauvaise mère, mais non. Quand tu regardes un petit peu les témoignages de maman ou d'anciennes mamans, etc., ben, ils ont vécu la même chose que je vis actuellement, donc je me sens un peu moins seule et je culpabilise moins. Et même hier, mon copain a dit « Arrête, t'es vraiment une mère vraiment géniale, donc arrête. » Donc ça me rassure, il a même été au magasin, il m'a rapporté une petite tarte meringuée au citron pour me réconforter parce qu'il sait que c'est pas facile. Donc voilà, ma météo du jour va un peu mieux aujourd'hui. Hier, c'est vrai que c'était pas facile, mais voilà. C'est les aléas de la vie, je me dis qu'il y a pire que mieux, qu'il ne faut pas minimiser non plus sa propre souffrance, même s'il y a pire ailleurs, et on reste positif. Et j'ai envie de te dire, j'ai très hâte de voir le comeback de Oui, parce que j'aime vraiment beaucoup, c'est un très bon compositeur, interprète, écrivain, et je me demande qu'est-ce qu'il va nous montrer à travers son nouvel album. Et j'espère que Cube va faire quelque chose avec Pentagon, mais est-ce que Pentagon est encore vraiment Pentagon? Il y en a qui sont partis, nananana, service militaire, Il pensait en participant à l'émission, oui, d'avoir un petit peu monté sa carrière, mais ça ne t'est pas. En tout cas, je pense qu'on va avoir quelque chose de très coloré. J'aime déjà ce que je vois. Ça me fait marrer, son collier avec ce cœur. Ça me fait penser au diamant. J'ai arraché ma peau, j'essaie. Dans Titanic. On est dans un diner. On a carrément le titre de sa chanson sur cette carte. Elle a l'air pas très contente. C'est bien fait. Ok. Ça fait flipper ça. Ouh, je sens que je vais aimer moi ça. Ça m'étonnerait pas de lui. Hein. Ok, je sens que ça va être un gros coup de cœur. C'est déjà un gros coup de cœur. Ah, j'aime beaucoup le rythme. Ah, très belle transition. Ouh, oh, il est bien gaulé, hein. J'adore son look. On a un côté très rock, un peu punk, mais dance à la fois. J'adore le MV. Oh! Ouais, j'aime bien ce côté bop. Et t'as vraiment le, comme un, quand tu ouvres une bouteille, ça fait pouch. Bon, mon fils rouspète encore hein, pour pas changer. J'espère qu'il sera pas aussi difficile que hier. Please for me.
génial. Je suis dans l'ambiance là, les gars. Mais elle te met trop de bonne humeur. Elle te donne la patate. Alors, on part dans des univers hein, plus loufoques l'un que l'autre. C'est incroyable. Ah, j'adore. Mais qu'est-ce que je vais choisir pour ma miniature? Il y a trop de plans que j'adore. Je veux le même chapeau. Topi pop nanana 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 nanana. Pourquoi mon fils? Et quoi, en fait il a pas participé, il s'imagine tout ça en fait. Oh chouette. Tu 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 tu. Alors je sais pas si c'est vraiment les gens, toutes les personnes derrière les caméras et tout, mais c'est trop marrant. Si c'est vraiment le personnel, c'est trop marrant. À mon avis, ouais, c'était tout le personnel, mais cette chanson, c'est une tuerie, les gars. Bon, vous voyez des petits cheveux, j'ai dû prendre mon fils dans les bras parce que monsieur n'arrêtait pas de pleurer. Je le prends à peine dans les bras, il arrête. C'est même pas pleurer, qu'il fait, c'est des caprices. Je peux comprendre qu'il a mal à ses gencives et tout, mais c'est tellement dur parfois d'être mère. J'ai vraiment parfois l'impression, je disais au début de ma vidéo de rester positif et tout, mais parfois j'ai l'impression de pas bien le comprendre et de vraiment être une mauvaise mère et j'ai pas envie de craquer la caméra et devant vous. Donc restons positifs, n'est-ce pas? Ouh, cette chanson, je peux vous dire que c'est un gros gros coup de cœur. Il n'y a vraiment rien à dire. J'aime le fait qu'on voit vraiment sa touche, sa personnalité, sa couleur musicale. On a vraiment une bonne chanson qui est très punk, très pop, mais très rock et également très dance à la fois. Il transmet vraiment un charme à cette histoire. Il met vraiment en évidence une sorte de message, comme s'il voulait démontrer qu'on peut dépasser ses limites sans imposer par autrui. Donc les personnes autour de lui ne doivent pas lui imposer, donc le monde qui l'entoure, tout en aimant et tout en s'immergeant en nous-mêmes. Tout simplement aller de l'avant, ne pas toujours croire ce que les gens vous disent. C'est très aussi pétillant, très coloré. J'aime le fait qu'on a vraiment toutes des situations qui sont hyper cocasses. On a vraiment ce côté décalé que j'aime beaucoup. On aurait pu retrouver cette chanson pour Pentagon, hein, je pense. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté aussi diner. Tu avais carrément le titre de la chanson qui était sur ce portfolio, enfin, comment dire, cette carte hein, de présentation du menu du diner. J'aime le fait aussi qu'il y a une sorte de comédie musicale. On a aussi parfois des plans assez classiques et lui, il vient foutre le bordel en dîner de famille. Non, personnellement, c'est un gros coup de cœur pour ce retour. Pour ce début de mois janvier, début d'année 2024, je pense pour le moment, depuis toutes les réactions que j'ai fait en 2024, c'est le titre que je préfère. J'aime vraiment. Cette vibe te fait du bien. Malgré que c'est pas évident avec mon fils actuellement. Il en peut rien parce qu'il fait vraiment ses gencives, il met tout le temps ses doigts, il a mal. Et j'espère qu'il n'y a pas une dent qui va sortir maintenant parce qu'il a que 4 mois. Mais bon, chaque enfant est différent.
Mais voilà, j'espère que je ne vous emmerde pas trop à vous parler de ça, mais vous le savez, je suis quelqu'un de transparente et tout, et ça se voit directement à ma tronche quand il y a quelque chose qui m'embête, qui va pas, donc je préfère être franche avec vous, hein, tout simplement. En tout cas, au niveau de son album, il est composé donc de 4 titres, vous avez 3 feats également. Des feats avec d'autres membres de Pentagon, c'est possible ça? C'est possible? Peut-être. En tout cas, au niveau du visuel de la jaquette, j'aime beaucoup. On a l'impression qu'il y a encore le blister en fait sur le single, hein, vous voyez sur le côté, ce côté plastique. J'aime beaucoup son look, surtout ce chapeau, c'était mon préféré dans le MV, avec ses petites taches de rousseur, ses cheveux roses qui lui va très bien. On dirait qu'il mange une sorte de bonbon, qu'il y a des sortes de pétales de fleurs sur son nez. Franchement, rien à dire, ça correspond bien avec le visuel du MV. Et vous, mes chers Minimilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour de Oui et ce côté très dynamique, punk, pop, rock, dance de cette chanson, ce côté hyper coloré, décalé également du MV. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, papa et sayonara.